Bonjour à tous, c'est NewTTuff et bienvenue pour le 8ème épisode de ce walkthrough ou playthrough pour découvrir Super Pokémon Rumble sur Nintendo 3DS. Donc on en était resté, justement je cherchais comment faire pour battre ce fort et comme par hasard j'ai découvert que je n'avais pas vu toute la map et que ici on avait une petite bataille royale et puis également aussi un secteur. Donc il va falloir aller combattre ce secteur, donc on s'y attelle de ce pas. C'est donc le secteur hanté. Allons-y. Donc merci à tous ceux qui ont regardé les premiers épisodes, les 7 premiers épisodes, et merci à Puissance Pokémon qui diffuse les épisodes sur son site, enfin sur leur site. Donc ici on a des polichombres qui sont des Pokémon de type spectre. Donc c'est pas trop mal. Et ici, des Skelenox, j'aime bien Skelenox. Et ça c'est des Funessia, c'est des nouveaux Pokémon de la 5ème génération. Alors encore des Skelenox. Ah, j'ai récupéré un Skelenox. Ah non, un Tyraclope. Ah ouais, des Tyraclopes, ok. Donc ici on a encore des Skelenox, des Funessir. Alors je sais pas du tout qui sera le boss. J'espère que ce sera un bon Pokémon, j'aimerais bien le recruter. On verra si la chance nous sourit. Alors, voilà. Donc on arrive au boss. Alors, qui est-ce donc? Alors je vois pas. Ah, c'est un Mélancolux. Donc l'évolution de Funessir, si je me rappelle bien. Osselet, hein, il est... Ou c'est Ossatueur, je sais plus. C'est Osselet, ouais. Osselet, il est vraiment fort, hein, je trouve. Hein. Je vais essayer de tuer pas mal de Pokémon. Je me demande si plus on en tue... Ouais, ça doit être ça. Plus on en tue, plus on a de chance de le recruter, je pense. Il a l'air énervé. Ouh! Ouh là là! Ouh là là! J'aurais dû le tuer dès le début, là. J'aurais pas dû attendre. Bon, allez, prenons Terraclop. Voilà. Eh oui, je l'ai recruté. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool. Là, je suis content. Et finalement, je commence à avoir pas mal d'argent. J'ai 40 938 Poké-Dollars. Enfin, on va appeler ça comme ça parce que. Alors. Ouais, des Fantominus, Terraclops, Skelenox, Funessir et je sais plus comment il s'appelle, Mélancolux, voilà. Et donc maintenant, on va prendre Mélancolux. Il est où Mélancolux? Ah, il est là. Ah, il est pas si fort que ça en fait, hein. Il a juste 40, 456 de puissance.
Donc, moi je prendrais bien Fantominus, allez. Et nous allons faire la bataille royale. C'est une bataille royale à type réservé. Seuls les Pokémon de type spectre peuvent participer. Et bah c'est parfait. Bataille royale. Difficulté 450, allez, ça augmente. Hein. Ah, il attaque à distance. Oh là là. Faut que je m'y refasse un instant. Ah oui, et puis c'est vrai qu'il y a du temps, j'avais oublié. Ah, je suis paralysé. Non, 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 non. Ok. Bon, et ben moi je sens bien. Allez, Mélancolux, hein, parce que. Ah oui, oh là là. Oh non, non, pas paralysé, pas paralysé. Ça y est. Donc ils arrivent, donc c'est Spiritomb. C'est tout, il n'y a que Spiritomb. Ok. Bon, il est où Spiritomb là? C'était pas Spiritomb? Ah, oh, j'étais persuadé que c'est. Ah, bah si, c'est. Ah, mais ils apparaissent peut-être pas en même temps, je sais pas. Ou faut que je les tue tous? Ah! Bah, allons-y pour Terraclope, hein. Il est pas rapide, mais bon. C'est bon. Ah, ok, oui, c'est vrai, faut que je les tue tous dans la bataille royale. Ok, donc c'est bon. Et voilà. Alors, combien j'ai? 27. Donc j'ai tué 27 Pokémon. Ok. Félicitations! Catapulte à équipe. Voilà, c'est comme ça donc que je vais pouvoir. Que je vais pouvoir. Oh, il avance pas vite lui, hein. Que je vais pouvoir. Bah déjà, je vais aller me soigner. Non, c'est avec la catapulte à équipe que je vais pouvoir me battre en équipe dans le fort. Le fort, je ne sais plus quoi. Donc, en gros, si je fais mon équipe, je pense que je prendrai Mélancolux, un Dardarnian, et puis pourquoi pas Osley. Ouais, on va voir. On va voir. C'est la catapulte à équipe. Avec elle, tu peux participer à une bataille en équipe avec tes amis. Mode d'emploi, choisir deux amis, une fois prêt, actionner. Je croise les poutres pour ta victoire. Ah ok, d'accord. C'était un jeu de mots. Alors, donc, commence par poser à gauche et à droite tes coéquipiers. Alors, donc, on va mettre Mélancolux d'un côté. Merde, non. Non. Donc alors, moi, celui que je veux diriger, c'est Osley. Donc je prends Osley. Voilà. Tac. Non, non, non. Non, non, non.
Alors, choisir le coéquipier. Donc, j'ai dit, on prend. Il est où? Il est là, Mélancolux d'un côté. Et de l'autre, je verrais bien. Ah bah, Poussifeu. Ouais, Poussifeu, ça peut être pas mal. Allez, on y va. J'espère que j'ai fait le bon choix. Tes amis attaquent d'eux-mêmes. D'accord. Ok, dès que j'attaque, en fait, ils attaquent tous. C'est pas mal parce que moi, j'attaque de près et eux, ils attaquent à distance. Bon, allez, let's go. Voilà, donc on se soigne. Alors maintenant, qui c'est qu'on a? Ok, des Oko, des Corillons. Ou un Aitram, donc c'est un nouveau Pokémon, hein, qui fait mal. Allez, voilà, on se soigne. Oh, il n'a pas été soigné complètement. Poussifeu? Oh là là. Allez, Kirlia. Oula. Ah là là, il fait mal, hein. Allez. Allez, meurs! Voilà. On se soigne. Voilà, tout le monde a été soigné. Et là, c'est le boss. Qui devrait arriver dans pas très longtemps. Voilà. Alors, donc, à qui on a affaire? Oh là là! C'est un Miasmax. Ne crois pas qu'on va te laisser nous recycler. Allez. Meurs, 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 meurs. Et ben voilà. Ark, tu m'as nettoyé. Gloire à notre chef. Bon. Eh ben, c'était pas si difficile que ça. Mais je pense que j'avais fait un bon choix de prendre moi qui attaquais au corps à corps et puis les autres qui attaquaient de loin. Je pense que c'était une bonne idée. C'est Poussifeu qu'on a tué le plus, hein. Moi j'ai tué presque personne en fait, hein. Ok. Et ben voilà, donc on a fini le deuxième secteur. Enfin le deux. Ouais, c'est ça. Enfin secteur, la deuxième zone on va dire. Ouais, là on est à la troisième. Rive du repos. Donc toi tu vas te réveiller, hein, même si on est à la rive du repos. Parce que j'aimerais bien, voilà, aller me soigner. Alors, donc du coup, alors à quoi ressemble cette zone? Alors, il y a un secteur, deux secteurs. Ah non, je vais pas aller là. Allez, donc, il y a un secteur, deux secteurs. Et qu'est-ce qu'on a par là? On a la bataille royale et un autre secteur. Et ici, qu'est-ce qu'on a? C'est. Ah! Et on a un fort. Non, non, mais je veux pas y aller. Ok, donc d'accord. Donc, ben, on va faire ça dans l'ordre, hein. Donc, on va commencer, ben, par le secteur fortifié. Donc pour le secteur fortifié, moi je prendrais bien Poussifeu. Allez, let's go.
Ouais, je crois que c'était un bon choix. Mimigal. Deuxième génération, les Mimigal. Ça rappelle des souvenirs. Eh ouais. Dans Pokémon Argent, puisque j'avais Argent à l'époque. Que je n'ai jamais fini, je crois. Ouais, j'ai jamais dû le finir. Enfin bref. Ah si, j'avais dû le finir parce que j'essayais d'attraper Suicune là où. Ou Entei ou Raikou, je sais plus lequel c'était. Enfin voilà, celui qui se baladait partout. Et puis j'ai jamais réussi à l'attraper. Puis je l'ai vendu à un copain, je crois, le jeu. Ouais, c'est ça. Enfin, j'étais petit, hein, je devais avoir 10 ans, 11 ans. Ouais, c'est ça. Alors, donc des Spoink. Spoink, Sapspoink, c'est la troisième génération. Troisième génération, je l'ai pas beaucoup suivi parce que j'étais dans ma période où je voulais plus entendre parler de Pokémon. Voilà. Et puis après, ça m'est revenu. Hein. Allez, 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 Nucleos, c'est des nouveaux Pokémon, ça. Ah, un Migalos, allez, allez. Ah non, j'aurais bien aimé le recruter. Oula, il y a plein de Baggy One. Allez, va-t'en. Ah. Ah, mais j'arrive pas à viser. Voilà. Là, ici, on a le boss. Alors, qu'est-ce que ça peut être, le boss? Étant donné qu'on a eu un Migalos, on a eu... Ah, ça doit être l'évolution, là, de... Là, des Pokémon... Ah! Ouais, je sais plus comment il s'appelle. Ah bah non, c'était pas lui que je pensais. Donc ça, c'est l'évolution de Bagiguan, Bagaïd. Ça fait mal. Et là, je suis mort. Ok, bon. Bah, je prendrai. Allez, Mimigal. Allons-y. Ah, d'accord, Mimigal, il attaque aussi à distance. Allez, un dernier coup. Et voilà. J'ai eu peur, hein. Mais bon, il me restait encore un Pokémon, donc dans tous les cas, c'était bon. Alors, Bagiguan. Ok, let's go. Donc, combien de Pokémon? 71. Ah, j'ai récupéré Bagaïd. Oh, ça c'est cool. Ah, là je suis content. Bagaïd. Oh, j'ai même pas envie d'aller me soigner. Ah ben. Non, 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 non. Bah, en fait, si, je vais aller me soigner parce que ça va bientôt faire 20 minutes de vidéo. Voilà, dans une trentaine de secondes. Donc, voilà. Parce que je voulais voir un truc quand même, c'était... elle est où la loterie? Parce que là c'est pour 300 000 donc j'en ai pas assez. Allons à la loterie. Bagain gagnera l'une des capacités à sa portée. Veux-tu utiliser 3 110 Pokédollars? Allez, fais la mise au point. Oh. Voilà. Donc, bah oui, moi je veux. Je veux.
La capacité Éclatroc est sortie. Échangez Éclatroc contre quelle capacité? D'accord, j'ai feinte et jet de sable. Donc jet de sable, je m'en fiche. D'accord. Oui. Bagheïd a oublié jet de sable et a appris Éclatroc. Doudoudoudou. Donc voilà, c'est sur ce gain de capacité qu'on va se quitter. Et puis n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à mettre un pouce vert si vous aimez cette vidéo, et également à passer régulièrement sur Puissance Pokémon, sur lesquelles vous pourrez également suivre mes vidéos. Voilà, salut à tous!